On vous suit. On va vous suivre parce qu'on va prendre. Mais et donc, puis vous savez, c'était quand même un milieu un peu particulier. Moi, je fais partie des premières femmes qui sont arrivées par concours. Quelle année? En 1973. Oui. On nous a regardé un peu bizarrement, les femmes arrivées là. Ouais, mais il faudrait que les ex-employés vous battiez pour faire une expo de photos, de véhicules. Mais de... il va y avoir un petit film qui va être fait. Oui, mais je crois qu'on va travailler là-dessus. En plus, on est super motivés. Oui, non. Les bureaux, ils étaient là-bas. Hein. Je pense qu'ils devaient avoir des moments de détente. Alors ils installaient des tables de ping-pong, des machins comme ça. Quoi. Et j'entendais votre collègue tout à l'heure dire que c'était très syndicalisé ici. Très on appelait le bastion rouge de la ville de Paris. Ah oui. D'accord. Votre prénom? Jean. Jean, et votre nom de famille? Le Guépo. Le Guépo, c'est pour ça commence, s'il vous plaît. L-E-L-I-E-P-A-U-L-T. Très bien. Et ça fait, vous avez travaillé combien de temps ici? 30 ans. Madame, vous avez travaillé ici? Oui. Moi, j'étais couturière. Donc, moi, j'ai arrêté en 87, après 20 ans. Bah, c'est bien, moi, je trouve que ça soit pas... Parce qu'au départ, ça aurait pu être peut-être détruit ou... Bon, peut-être des logements, peut-être... Mais c'est mieux que ce soit un centre culturel pour moi, je trouve. Voilà, c'était... Ça, on va regarder un peu.